Ah, Mimi de Mandaril. Hello, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 12 de mon let's play sur Hogwarts Legacy. J'ai beaucoup joué de mon côté pour faire de l'exploration. J'ai pas tellement fait de quêtes secondaires. J'ai découvert plein de choses. J'ai fait plein d'épreuves de Merlin à l'extérieur du château, etc. J'ai préparé d'avance le let's play qu'on va faire aujourd'hui. Du coup, on a majoritairement des cours auxquels assister pour débloquer des nouveaux sorts. Du coup, j'ai trop hâte, tous mes devoirs sont faits, donc on a juste à aller au cours. J'ai trop hâte que ça avance, parce que là, je suis bloquée dans pas mal de trucs. Donc il faut avancer, il faut que j'ai des nouveaux sorts, parce que je tourne un peu en rond. Du coup, c'est parti. Regardez, j'ai Onai, Bulbi, Kogawa, Sharp, et j'ai deux missions principales. Par contre, le Alohomora, j'ai trop hâte, il me le faut absolument, il y a plein de portes que je sais pas ouvrir et ça me frustre beaucoup. Professeur Sharp est ici. Tu l'aimes trop ce prof. Vous avancez sur vos devoirs? J'ai terminé ce que vous avez demandé, professeur. Excellent. Vous êtes donc fin prête à prendre Repulso. Concentrez-vous. Ne laissez pas votre esprit vagabond. Ah, c'est vous tout? Avez compris. Si vous voulez vous entraîner et vous en avez bien besoin... Mes profs, ils sont trop chauds. Projetez vos camarades contre les murs. Je croyais qu'il me disait d'essayer de repousser les élèves. Ok, je pensais qu'on aurait un vrai cours comme la première fois, mais je pense que c'est seulement pour les premiers cours, ça, du coup. J'ai trop envie de faire la quête pour Garrett aussi. Je crois que c'est dans ma dernière vidéo, où il me parlait de la sorcière borgne. Je veux trop le faire. Je l'ai trouvé, du coup, quand j'étais en off. Mais je voulais absolument faire ça en vidéo, parce que je pense que ça va être trop cool. Intéressant de regarder des plantes pousser. J'ai pas le réflexe pendant les combats d'utiliser les plantes. J'ai terminé tous mes devoirs, professeur. Ravi de l'entendre. Le professeur Weasley le sera aussi. Je lui ferai savoir que vous vous débrouillez bien. Merci, professeur. Vous avez appris les vieux sauts avec le professeur Hecate. Vous devriez réussir à apprendre un sortilège de lévitation un peu plus technique. Wingardium Leviosa requiert un peu de concentration et un joli mouvement de baguette bien gracieux. Ok. Ah, mais dans la salle sur demande aussi. Il y avait besoin de ça, je pense. Mais est-ce que la salle sur demande, on peut la retransformer comme elle était au début? Ça, je suis pas sûre. Je suis jamais allée par là. Ah si. Si, mais je crois que je filmais pas. Ah, mais ce genre de serrure là, il faut absolument que j'aie Alohomora parce que ça me saoule. Madame Kogawa, j'ai terminé la liste de tâches que vous m'avez donnée. Merveilleux. Je constate que vous maîtrisez de mieux en mieux votre balai. Oh, elle est trop bien la maquette derrière. Oui, professeur. Je suis ravie de l'entendre. Continuez, et peut-être qu'un jour, vous ferez partie de l'équipe de Quidditch. Si Black autorise le Quidditch un jour. Bien, maintenant que ces tâches sont effectuées, nous pouvons commencer. Glacius. Mais en fait, je comprends pas c'est quoi le rapport entre ce sort-là et la prof de vol. C'est comme Wingardium Leviosa, je comprends pas pourquoi c'est la prof de botanique qui nous l'enseigne. Très bien. Oh, la pauvre. J'ai une quête avec Imelda aussi, sur le terrain de Quidditch. J'ai trop de quêtes par contre, c'est abusé. Aussi, j'ai compris comment on ouvrait les portes avec un code. Je sais pas si vous vous rappelez, dans le tout premier épisode, j'étais tombée sur une porte et il y a des chiffres qui s'étaient mis. J'avais pas vraiment fait attention. Mais du coup, j'ai compris comment on les ouvre. Et il y a plein de coffres derrière, en général. Du coup, c'est très cool. Ce genre de truc là, qu'il faut tourner. Ça ouvre les portes qui sont là en haut. Et du coup,
J'ai réussi à les ouvrir. Et aussi, j'ai débloqué une quête où, en gros, il faut trouver des clés dans tout le château. Des clés qui viennent se mettre devant les armoires qui ressemblent à ça. Et il y a des jetons de serpentard qui sont cachés dedans. Et en gros, il en faut 16, je crois. Et après, il faut les mettre dans un coffre dans la salle commune de serpentard. Et je suppose qu'à 16, il se passera quelque chose. En vrai, j'ai pas mal avancé dans cette quête-là aussi. Mais je tombe un peu sur les clés par hasard, quoi. Vous aimeriez apprendre le sortilège du repousse-tout, Flipendo ? Une fois que vous aurez terminé les tâches nécessaires, venez me retrouver dans la serre. Terminez les tâches que je vous ai confiées, puis retrouvez-moi dans ma salle de classe pour apprendre Diffindo, le sortilège de découpe. Mais il y a vraiment trop de sorts, par contre. Après, je sais pas s'ils seront très utiles en combat, mais... Rebonjour, Monsieur Moon. J'espérais bien vous revoir, je l'avoue. Gladwin Moon, concierge de Poudlard. Veuillez d'abord m'excuser si je vous ai paru quelque peu instable la dernière fois. Je venais de faire une rencontre des plus troublantes. J'espérais d'ailleurs croiser votre route depuis ma dernière visite à Dreholard. J'aurais bien besoin de votre aide. Avez-vous remarqué cette étrange statue ? Notez ce qui se passe quand la nuit vient remplacer le jour. Essayez de retirer la lune de la statue. Ce sont de drôles de petits dispositifs, non ? Apparemment, la statue disparaît quand on en retire la lune. Ce qui, soit dit en passant, n'est possible que la nuit. Depuis ce jour tragique au village, ces curieuses statues ont commencé à apparaître près du château. Un certain nombre d'entre elles ont même atterri non loin de Dreholard. Quelqu'un essaie de me tourmenter. J'en ai peur. Je me suis retrouvé nez à nez avec un épouvantard, une créature capable de changer de forme et qui prend l'apparence de ce qui vous effraie le plus. C'est la statue. Celui-ci a pris la forme d'une demi-guise. Une créature terrifiante qui peut prédire l'avenir. C'est celle qu'on voit dans les créatures fantastiques, non ? J'en ai rencontré une quand j'étais jeune, en Corée. Une expérience traumatisante. Ces statues sont des demi-guises. Les lunes, j'imagine, ne sont qu'un jeu de mots peu inspiré avec mon nom, qui signifie lune. Des chenapans se sont servis d'un épouvantard pour apprendre ma plus grande peur et s'en servir contre moi. J'espère bien que la disparition des statues les poussera à commettre une erreur. C'est pour cela que j'aurai besoin de votre aide, pour faire disparaître ces statues. Oui, bon, il parle beaucoup, là. Je sais qu'il y a deux statues ici, dans la tour des professeurs. Vous pourriez peut-être commencer par les enlever, afin que je puisse accomplir mes tâches du soir. Pourquoi je ferais ça ? C'est risqué pour ce que j'ai à y gagner. Mais non, le risque est très faible. Je vous enseignerai un sortilège très utile. Bon, vous savez lancer un sortilège de désillusion, je crois. Hein ? Vous devrez le faire avant d'entrer dans la tour de nuit. Comment entrer, me direz-vous ? Avec Alohomora, bien sûr. Vous trouverez une statue dans la salle de bain des préfets et l'autre dans l'infirmerie. Trop bien. Bonne chance. C'est vrai que j'avais oublié la salle de bain. Mais il est où ? Ah, il n'y a pas de sort. Ok. Alohomora. Oula. Bravo! Cette partie du château est interdite, malgré tout. Oh, le nombre de trucs que je vais pouvoir retrouver. Mais c'est carrément la chambre des profs, genre. Ok, il y a un truc de niveau 2, genre. Du coup, là, il doit y avoir une clé quelque part. Ah ouais, là au-dessus. Pour ouvrir l'armoire. Là, je vais pas me battre avec des profs. Décevant, je dois dire.
Vraiment? Nous formons une génération d'ignorants gâtés qui peuvent à peine faire la différence entre l'aconite et l'asphodèle. Oui, bon, il est encore tôt. Ils ont le temps de s'améliorer. Vous dites cela chaque année. Mais j'ai pas bougé. Ah, mais c'est une porte comme ça en plus là-bas. Oh. Nous formons une génération d'ignorants gâtés. Ce doit être la salle de bain des préfets. Allez, vite. Oh, j'aime pas les missions comme ça. Envie de me battre, moi. Je dois tout refaire. Ah non, je l'ai déjà, du coup. Bon, je suppose que je devrais me remettre au travail. J'imagine que le professeur Black a ses raisons, mais les élèves sont terriblement... On me connaît en Paris, et Serdaigle n'avait aucune chance. Elle m'a entendu. Je suis presque. J'ai les lunes que vous m'avez demandé de trouver. Juste ciel, vous ne manquez pas de courage. Excellent. Récoltez-en d'autres et nous pourrons peut-être découvrir qui se cache derrière tout ça. Apportez-moi suffisamment de lunes et je vous montrerai les formes les plus puissantes d'Alohomora. Bon, du coup, tant qu'on y est, Dissendium. Dissendium. Qui aurait cru qu'il y avait ça ici? Un monte-charge. Je peux descendre par là. Mais il a l'air cassé. Réparo. Ce château ne cessera jamais de m'étonner. Du coup, Garrett, il avait dit qu'il n'était pas spécialement rapide, mais qu'au moins, c'était un passage secret. Du coup, ça risque d'être un peu long. Les vieux. Réparo. Ah ah, j'ai réussi. Ce doit être la sortie. Non, mais c'était pas si long. Je dois trouver un moyen d'ouvrir cette porte. Incendio. Une odeur de sucre. Je dois approcher de Honeyduc. Préolard, me voilà. Honeyduc. Je sens le chocolat d'ici. Bon, où est-ce que je peux trouver des dards de Billywig séchés pour Garrett? J'ai les dards de Billywig séchés. Je n'ai plus qu'à les remettre à Garrett. Tous les coffres là au-dessus, ils sont bloqués par des serrures. Mais je vais pouvoir aller les chercher. Non, il y a une clé. Rebonjour. Allô, Mora. Oh, c'est trop bien. Tu as pu te rendre à Honeyduc? Honeyduc. Bonjour, Garrett. J'ai les dards de Billywig séchés. Tu les as trouvés? Incroyable. Ravi de t'avoir aidé. Tiens. C'est génial! J'ai hâte de commencer. Merci encore. Je te dirai quand j'aurai terminé de préparer ma première cuvée de Fizz with Beer. J'ai rien eu en échange. En fait, il faut vraiment leur dire paye-moi, sinon ils ne donnent rien. Qu'est-ce que c'est que ça? Une demi-guise. Hein? Ah oui. Du coup, je dois attendre que ce soit la nuit. Je crois que vous êtes en mesure d'apprendre Arresto Momentum, le sortilège de ralentissement. Mmh. Il permet d'arrêter des objets ou des personnes en plein vol. Effectuez d'abord quelques tâches, puis venez me voir. Mmh.
Niveau 3, mais enfin, mais il y a quoi dans ces maisons? Je sais qu'il y a une quête par là aussi. Pardonnez-moi, vous étiez en train de dire quelque chose? Oh, bonjour. Oh, pardon, je parlais toute seule. Je m'appelle Clémentine Willardze. Enchantée. Je pensais à ces magnifiques papillons que j'aperçois près de la forêt. Dès que je m'en approche, ils s'envolent entre les arbres. Lorsque j'étudiais à Poudlard, il était totalement interdit d'entrer dans la forêt. On entendait d'horribles histoires à son sujet, et depuis j'en ai développé une véritable phobie. C'est idiot, mais j'ai toujours voulu savoir où vont les papillons dans la forêt. Vous pourriez le découvrir ? Vous voulez que je suive les papillons ? Oui, c'est ça. Si ça ne vous dérange pas. C'est comme suivre les araignées. Mais pendant que je jouais sans filmer, j'ai suivi des papillons sans faire exprès, genre. Du coup, j'ai découvert un coffre, j'ai oublié ce qu'il y avait dedans. Mais du coup, j'ai commencé la quête avant de commencer la quête. Très bien, si j'ai le temps, je verrai où il me mène. Oh, c'est gentil. Les élèves de votre génération ont plus de courage que je n'en aurai jamais. Tu es à moi à présent, Evelio. Bon, je vais avancer un peu dans l'histoire quand même. Bonjour, Miss Ryan. Je voulais encore vous remercier pour votre aide avec Rookwood et Harlow le jour de l'attaque du troll. Appelez-moi Sirona, et je suis contente d'avoir pu vous aider. Ces deux-là sont un véritable fléau. Heureusement que vous étiez ici quand ils vous ont trouvé. Oui, heureusement. Vous parliez à un gobelin ce jour-là. Oui, Lodgok. C'est un ami. Vous aviez l'air de bien vous entendre. Je le connais depuis des années, du temps de ma jeunesse, quand j'étais serveuse, bien avant que j'achète les trois balais. Il se montrait cordial, mais nous n'étions pas amis. Sa méfiance à l'égard des sorciers était bien ancrée. Mais maintenant, vous êtes amis? Oui. Je ne l'avais pas vu depuis des années, lorsqu'il est entré dans mon pub il y a quelques mois. Ah, mais il m'a immédiatement reconnu. Ce qui n'est pas le cas de certains de mes anciens camarades qui n'ont pas réalisé qu'il s'adressait à une sorcière et pas à un sorcier. Tous les gobelins ne sont pas comme Ranrock et ses fidèles. Lodgok est aussi un c'est le premier personnage trans. Dans ce cas, j'aimerais m'entretenir avec l'univers. Lui. C'est trop bien. Ranrock. Où pourrais-je le trouver? J'imagine que votre intérêt est lié aux rumeurs selon lesquelles Ranrock collabore avec notre cher ami Rookwood. Tout à fait. S'il n'est pas là, vous le trouverez sûrement à la tête de sanglier en train de faire des affaires. C'est un marchand de métal renommé. Vous devriez lui dire que nous nous sommes parlé. Comme on peut s'y attendre, il se méfie des sorciers et sorcières, même des plus jeunes. Ceci dit, si vous cherchez des informations sur Ranrock pour l'arrêter, Lodgok se fera un plaisir de vous aider. Savez-vous sur quoi Ranrock et Rookwood collaborent? Tout ce que je sais, c'est qu'ils semblent avoir noué une sorte d'alliance précaire. Il s'agit sans aucun doute d'un échange de bons procédés. Nous devrons venir à bout des deux si nous voulons les arrêter. Rookwood et Harlow n'ont pas eu l'air de vous impressionner l'autre jour. Ils ne vous font pas peur? Ce sont des brutes, tout simplement. Et je n'ai jamais toléré les brutes, alors il est hors de question que je les laisse s'en prendre à mes amis. Ne vous méprenez pas, ce sont de dangereux sorciers qu'il ne faut pas prendre à la légère. Mais il faut leur faire face et leur rappeler, autant que possible, que nous nous protégeons les uns les autres. Bienvenue à la tête de son... Installez-vous à une place. Bonjour, Lodgok. Si trop bien comme on est assis. Je vous trouverai ici. Oh, vraiment? Vous a-t-elle transmis un message? Non, en fait, je voulais vous parler. De Ranrock. Je me souviens de vous. Aux Trois Balais, le jour de l'attaque des trolls. C'est vous qui le recherche. C'est bien moi. Et j'ai besoin de savoir ce que Ranrock et ses fidèles mijotent pour garder une longueur d'avance. Vraiment? Et pourquoi devrais-je vous le dire? Sirona me fait confiance. Selon elle, nos intérêts convergent. Bon, si Sirona vous fait confiance. Très bien. J'ai peut-être un moyen d'aider notre cause. De faire en sorte que Ranrock me confie ses plans. Je vous écoute. Une relique des gobelins, volée il y a fort longtemps par une sorcière, reposerait aujourd'hui dans son sarcophage. Un tombeau que seuls les sorciers peuvent ouvrir. Une ancienne querelle nous oppose, Ranrock et moi. Cette relique devrait combler le fossé qui nous sépare. Très bien. Si vous promettez de me faire part des plans de Ranrock, j'irai récupérer la relique. La confiance doit être mutuelle. Je dois croire que vous me rapporterez la relique, et vous que je vous dirai ce que je sais.
Retrouvez-moi près du tombeau de la sorcière dès que vous serez prête. Ok. Elle repousse les limites de la magie. Ok, bon. Bon, on va se laisser ici pour cette partie. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très vite pour la suite. Bye.